Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait une sanglicisme pour un Xelor au retrait PA PVP. On va essayer de faire un jet aussi perf que possible et de mettre une petite rune trans dommage sort là-dessus. Ok, c'est parti, on a 47 depuis. Bon, il faut qu'on gère. Vous pensez que je passe une pacha là-dessus? Non, je vais go rachat en vrai. D'accord, donc on parle là-dessus. Bah écoutez, parfait. Allez, next. 39 depuis là-dessus. On a malheureusement un repair qui est pas passé. On va avoir du mal. Moins 20. Bon, on m'avait dit que l'item était chaud à faire. Je découvre hein, pour l'instant. On se fait la main tranquillement. Moins 6. Hop. Petite vita. Bon, allez, il va nous falloir du crit. Hein. PO. Pas de PO. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas compter le puits tant que je serai pas sur du near perf. Et on verra jusqu'où on va comme ça. Commencer par Ravi, 22. 22, 22, ça se récupère à l'Inis. Allez, moins 6, moins 6, moins 5. Parfait, parfait, les amis, c'est bon ça. Petit crit qui crit. Allez, il a pas d'eau, il me faut un crit. Dommage, bon, ça passe au moins. Repère. Retrait, esquive, plus de puits. Pas de PO. 48 depuis. Bon. La Vita. Ah, dommage. C'est quand même un item difficile. Il faudrait qu'il y ait zéro échec critique. Hein, surtout sur les grosses runes pour qu'on ait une chance. Je peux grid la Pacha à moins 16. C'est le meilleur call que j'ai, je pense, pour espérer récupérer quelque chose. Ah bah, allez, c'est bien. C'est nickel. Évidemment, la chance du coup qui veut pas passer. Moins 9. Bon, bah, c'est mort. Hein. Il aurait fallu que ça passe direct. Oh, bah plus de puits, c'est marrant ça. Allez, next. 40 de puits là-dessus, il faut vraiment que la ravie passe et ne troll pas. Dommage. Bon, bah je compte pas du coup. Bon, quoique, bon, si j'ai moins 20, c'est mort. Je fais de l'attentat sans compter, on va voir si on s'en sort, mais j'y crois pas trop. On va partir sur un IR perf intel et un perf chance, puisque ça va être pour un mode haut. Allez, on y croit. Bon, bah plus de puits. Aïe! Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas compter le puits tant que j'aurai pas au moins un truc potable, hein, parce que je pense que le FM va être très dur à faire et ça sert à rien que je m'embête à chaque fois. Donc on est parti, on va devoir over chance, donc on va commencer par ça. Ok, on récupère comme on peut. Hop. La Vita, je suis en sous-G, on remonte. Le reste du G est pas trop dégueu en vrai. Le crit intel qui me met plutôt bien. Repère, repère, plus de puits, dommage. En vrai, on n'est pas loin d'un truc stylé, mais on n'y est pas non plus, donc c'est unlucky. Tant pis, on continue. Sauf si le PO tombe maintenant. Ah, dommage, non. Oh, là, peut-être la Pata qui casse le PO. Décidément, non. Ok, le 30 sagesse, la Vita, oui. Petite rune faux. Hop, qu'on récup, la rachat qui crit évidemment. Okay, il me faudrait une deuxième rachat. La païnée qui récup. Mais attendez, mais on est bien là. La païnée qui passe. Plus de puits, dommage. Bon, les congruences sont bien, mais l'item est pas évident. Allez, on y croit. Tac. Oui. Ah oh, bon, voilà. Une petite païnée qui passe pas, malheureusement, ça met pas bien. Ouais, dommage, dommage. Bon, là, c'est pas forcément insane, mais si la chance passe, en vrai, on récupère sur le tackle. On peut faire païné, rainé. Double esquive PM, rez, rez, dos, plus de puits. PO, pas de PO. Dommage. Bon, je sais pas trop quoi faire de cette Vita. Ça me chiffonne un peu, pour être honnête. On va y aller comme ça, comme ça. Comme ça. Ah bah oui. Tac, tac. Tac, tac. Jouable ou pas ça? C'est pas ouf en vrai. Hein. C'est pas ouf. Je peux juste espérer que le PO tombe vite. Et que... Oh mais...
Salut, c'est Grifox, c'est ma spéciale. Hein. Alors, j'ai fait des dégoulinants de full perf comme ça il y a 2 jours. Si vous voulez, on est sur une bonne lancée là. Là, c'est parti. Donc, on a plus 1,2, plus 51, moins 10. On a 48,2 depuis. La question, c'est est-ce qu'on passe la Vita? Oui, on passe la Vita, évidemment. Moins 10. J'ai 36 à récup. Je vais go. De feu. Et là, il me faut moins 6, moins 5. Allez, on y croit. J'ai plus 0,2. Le crit. Oh non, pas maintenant. Mais non, pas maintenant. J'ai pris moins 40 sur le crit, vraiment. J'ai pris moins 40 sur le crit, vraiment. J'avais un peu de puits d'avant. Oh, je suis abattu. J'aurais juste voulu pouvoir mettre un tacle. Évidemment, le PO passe. Oh, le tacle qui me troll tellement. 40 de puits pour un crit, c'est ma vie. 40 de puits pour un crit, c'est ma vie. Après, entre nous. Entre nous. Ça va sur un Xelor PVP. Entre nous, à quel moment tu tacles avec un Xelor PVP? Bon. Non mais. Faut voir les choses de façon pragmatique. Moi je vous dis ça. Voilà. J'aurais vraiment aimé en fait avoir genre 10, 20, voire 30 de puits qui décalaient sur le crit, pouvoir tenter passa into tackle. Ça m'aurait vraiment mis bien. Mais parce que en vrai là si je pouvais faire une tenta passa, une tenta tackle, on pouvait avoir un full perf. Hein. Vraiment je me suis fait troller par le crit, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. C'est un level de trolling absolument stratosphérique. Bon, je sens que cet item va être un peu bourbier à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer au next en fait, parce que j'ai envie de PVP. Du coup, c'est un peu dégueulasse à mes yeux, mais je sais que c'est pas un truc facile à faire non plus. Ah, j'ai oublié de signer, vas-y, on va signer. Je me casse pas la tête, pourquoi? Parce que c'est un item qui est récent, qui est assez recherché, qui est réputé pour être très dur à faire, et je sais que je pourrais le revendre avec le Gelor en faisant une belle plus-value, et je pourrais le retryhard. Donc voilà. Vas-y, ça prend une transe. Attendez, je vérifie qu'il ne manque pas une ligne que j'aurais ratée complètement. Bon, on a quand même le 470-70 qui est pas évident à choper. Vraiment, quoi. Un crit en moins qui me tapait dans le puits, je pouvais tenter passa tackle. Ça, vraiment, ça me détruit. Mais bon, c'est comme ça, c'est la FM. Allez, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, fin de la vidéo. Bon, je suis un peu blasé, du coup. Je suis un peu blasé, voilà. Donc, fin de vidéo de type blasé, c'est la fin. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez, je sais pas quoi. Prenez soin de vous, à la prochaine.